J'ai 8 heures d'avion pour aller à New York, du coup j'en profite pour me préparer dans l'avion. Let's go! J'ai galéré à mettre ces patchs hydratants, ils faisaient que de glisser avec mes ongles. Et je les ai laissés 10 minutes pour que le produit s'imprègne bien dans ma peau. Et après, bien sûr, j'hydrate bien mes lèvres. Je mets du push-push rafraîchissant. Je viens de casser mon highlighter, Steve. Ensuite, avec la crème de Clinique, j'hydrate le contour de mes yeux. Je tapote comme ça pénètre encore mieux. Et là, on passe à la crème pour le visage, c'est celle de Charlotte Tilbury. Dès qu'on arrive, on veut trop aller visiter Times Square, du coup je vais me faire un petit make-up assez léger. Donc je vais commencer par remplir mes sourcils. Ensuite, pour l'anti-cerne, je vais en mettre deux. Un qui va couvrir et l'autre qui va éclaircir parce que vraiment, mes cernes en ce moment elles sont trop teintées. Genre la différence entre la gauche et la droite elle est folle. J'ai pas assez de couleur sur le visage, du coup je vais venir un peu réchauffer mon teint avec le bronzer. D'ailleurs là je suis en business class grâce à Sephora et oh mon dieu je me suis déjà maquillée en classe éco et vraiment là j'étais si tranquille. Ah et je me suis tapé le front parce que j'ai oublié de prendre le mascara, genre le truc le plus important. J'aime trop me faire de ta douceur quand je me maquille légèrement parce que je trouve que ça donne un côté encore plus naturel. Je vais d'abord appliquer un crayon qui se rapproche de la couleur de mes lèvres et le rouge à lèvres je vais l'appliquer en tapotant, comme ça il y a encore moins de matière. J'oublie pas aussi de fixer le make-up pour pas qu'il bouge et tada, me voilà prête pour ma première fois au stage.